Marie Le Nehru vit le jour le 2 juin 1875 dans une vieille maison de la rue de Siam à Brest, au sein d'une famille de Navarque. Côté maternel, son arrière-grand-père Alexandre d'Auriac fut capitaine de corvette et son grand-père maternel Alexandre François contre-amiral au port de Brest. Côté paternel, son père Alfred Le Nehru devint lieutenant de vaisseau après une campagne au Japon. Homme cultivé, il fut même précepteur des enfants du shogun. De cette ascendance, Marie Le Nehru garda une profonde affection pour les marins, écrivant notamment dans son enfance « Le marin est bien autre chose qu'un militaire. Il a la grâce de l'athlète, l'intelligence d'un voyageur, la distinction que donne la solitude, et le silence des espaces et aussi l'aventure dangereuse. » Elle rêva d'épouser un marin, mais ne se maria jamais. Le 3 avril 1876, le père de Marie Le Nehru succomba des suites d'une gastralgie. La mère et veuve, Marie d'Auriac Le Nehru, n'avait que 21 ans et la fillette 10 mois. Mais celle-ci n'en fut pas moins une enfant vive, enjouée et intelligente, flattée de s'entendre nommée dans les foules par les anciens matelots de son grand-père. En 1886, lors d'un séjour à Montpellier chez son oncle maternel Lionel d'Auriac, professeur à la faculté des lettres, elle commença à écrire son journal d'enfance, que fit publier François de Curel, restituant ainsi in vivo le point de vue d'une enfant sur le Brest du 19e siècle. Aucune ville n'en semble reste, aucun des autres ports. Nulle part on n'a fait des rues si étroites et des maisons si hautes. De claires maisons plates et grises qui n'ont même pas la douceur d'être sombres. La parfelle encaissée, encombrée du matériel de sa marine, les constructions du port en échassent sur le roc, tout est resserré, tout est boyau, chenal défilé. Et sa prise de large, la promenade du cours, est une si maigre terrasse sur la rade magnifique et fermée du coulé, que sur ses kilomètres d'océan et sur ses côtes, qui sont de la campagne, on respire moins qu'en traversant la place de la Concorde. La jeune fille avait pourtant bien fait de profiter de ses sensations. En mai 1887, elle contracta une rougeole qui la rendit partiellement aveugle et définitivement sourde. « Les yeux, on les sauvera, mais les oreilles lui interdirent définitivement le monde », écrivit Jean Neuville. Mais ce qui aurait pu être la fin de tout allait devenir, pour cette femme d'exception, le début d'une carrière hors du commun. Marie put compter sur le soutien de sa mère qui l'emmena régulièrement à Paris pour la faire soigner et se mit en quatre pour parfaire son éducation. Peu à peu, Marie Le Nehru fit montre d'une force caractère hors du commun qui confinait parfois à la morgue. Elle restait élégante, ne voulant en aucun cas aspirer la pitié. Compensant par un surcroît de spiritualité et sa sensibilité amoindrie, elle fut tentée par une carrière religieuse, mais préféra la littérature. Le 15 octobre 1905, elle publia dans le journal Le Mercure de France, sous le pseudonyme d'Antoine Morcin, un article intitulé « Un professeur d'énergie, Saint-Just », qui lui valut l'admiration de Maurice Barrès. 3 ans plus tard, dans la même revue, mais sous son vrai nom, elle fit paraître le cas de Miss Helen Keller, consacrée à une américaine sourde, muette et aveugle de naissance, première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Toujours en 1908, elle obtint le premier prix d'un concours de nouvelles pour La Vivante, histoire d'une statue que l'électricité d'un orage éveille la vie, mais sans la lumière, ni la voix, ni le mouvement. Ce fut toutefois en tant que dramaturge que Marie Le Nehru connut le succès et devint une figure du tout Paris. De 1907 à 1918, elle écrit 9 pièces de théâtre, dont Les Affranchis, qui lui valut le prix Vie Heureuse, aujourd'hui féminin, et La Triomphatrice, qui fit d'elle la première femme, après George Sand et Madame de Girardin, dont une pièce intégrale au répertoire de la comédie française. Son théâtre très, pour ne pas dire trop intellectuel, se caractérisait par peu d'action et des sujets arides, ce qui peut expliquer son relatif oubli. Elle n'en bénéficia pas moins de la protection des critiques de renom qui étaient Catherine Mendès et Léon Blum. Pendant la guerre, elle évolua vers le pacifisme, proposant, comme le résume David Steele, une paix internationale garantie par une société des nations et construite sur une solide victoire préalable contre l'Allemagne. Cette femme visionnaire ne put voir la fin du conflit. Lors d'un séjour à l'Orient, elle fut emportée à 43 ans, le 23 septembre 1918, par la grippe espagnole. Albert Puech, son filleul de guerre, publia en 1929 la correspondance qu'elle avait entretenue avec lui. Son journal fut réédité en 2007 chez Bartilla, après avoir été longtemps indisponible. Les Brestois peuvent voir sa tombe au cimetière Saint-Martin, signalée par une colonne de granit sculptée de lierre et d'une encre de marine.